Bonjour à tous, on se retrouve pour la semaine et les énergies qui vont nous accompagner. On va faire ensemble le tirage instantané avec des coupes pour chaque signe, en commençant par les signes d'eau. Vous le savez, je suis en train de tourner les vidéos de formation de l'oracle du Petit Lenormand avec l'explication des mots-clés pour chaque carte. On en est au chapitre 4 et cette semaine, vous aurez la joie, je l'espère, de recevoir le chapitre numéro 5. Donc, je vois que ces explications vous conviennent. Je sais aussi qu'il y a eu un petit bug sur la carte 24, celle du cœur, mais ne vous inquiétez pas, c'est une perte d'information de même pas 2 minutes et je la reprendrai. Pour le chapitre numéro 5, je ferai un petit rappel par rapport à ce bug qui a été fait lors de l'enregistrement et du montage de la vidéo. Très bien, commençons ensemble tout de suite les énergies de cette nouvelle semaine pour les signes d'eau et nous débutons avec nos amis du signe du cancer. Amis cancer, êtes-vous prêt? Je pense que oui. Pour le cancer. Ah, tiens donc. Alors, ici, nous voyons qu'il y a quand même la notion de déplacement ou de quelqu'un qui part ou qui arrive depuis l'étranger. Visiblement, c'est une situation qui n'est pas très confortable puisque le serpent est sorti. Et donc, qui dit serpent dit problème, contrariété, médisance, ennui. Est-ce que nos amis cancers vont devoir faire un déplacement en relation avec une problématique ou au sujet d'une problématique ou une personne qui arrive de loin? Ici, dans tous les cas, on vous dit que par rapport à ce déplacement, il y a du changement qui arrive, de la modification, quelque chose qui ne se passe pas comme c'était prévu ici. Et on dirait même que ça peut avoir un rapport avec des finances. Dans tous les cas, vous allez récolter cette semaine, ami cancer, une problématique en lien avec ce déplacement, une problématique peut-être en lien avec de l'argent. Ici, on nous dit que la récolte n'est pas fructueuse vu que vous allez avoir certainement pas mal de stress pour cette semaine, ami cancer. Sachez toutefois que c'est ponctuel, ce sont des énergies minimes, donc on ne focalise pas trop sur les problématiques et on essaie d'avancer en tenant compte de cette situation. On continue avec nos amis du signe du scorpion pour cette nouvelle semaine, l'énergie avec laquelle le scorpion va devoir travailler. Hop! Les étoiles, ça va communiquer. Peut-être une certaine paix relative aussi pour cette semaine, ami Scorpion. Allez, on y va. Pour les Scorpions. Bon. On est pas mal. Visiblement, les problématiques et les soucis que vous aviez pour cette précédente semaine, qu'il soit d'ordre financier ou en lien avec la famille, ont tendance à s'estomper. Ici, on peut vous parler d'une personne qui est proche de vous, qui est plutôt brune, plutôt un petit peu pulpeuse, une femme quand même assez intelligente, avec qui vous auriez eu des soucis, donc en relation avec la famille ici, hein. La famille ou le travail, attention. Et visiblement, on vous dit qu'il y a une décision, un choix, quelque chose qui fait référence comme à une séparation, à s'éloigner, à prendre la route pour prendre aussi de la distance avec une personne, qu'elle soit au niveau professionnel ou relationnel familial. Donc, vous avez pu avoir quelques soucis avec cette personne, mais visiblement, vous allez devoir prendre de la distance avec celle-ci. Vous en éloignez quelque peu, peut-être pour apaiser certaines tensions qui se sont passées la semaine dernière.
Eh bien, dites-moi les signes d'eau. Vous ne pouvez pas m'annoncer quelque chose d'un peu plus top, là? Hein? C'est quoi cette semaine un peu bizarre, hein? Allez, les poissons. Pour nos amis du signe du poisson. L'énergie de cette nouvelle semaine. Pour nos amis poissons. Eh bien, regardez. On dirait que vous faites partie de la même famille, hein? Non. Alors, pas tout à fait. Si les scorpions, ils étaient dans l'éloignement, les poissons, eux, par contre, ils risquent de communiquer sur un problème qu'il y a eu précédemment. Ils veulent tout à fait s'en détacher. Et nos amis poissons vont trancher dans le vif cette situation. Elle peut vous toucher au niveau sentimental, au niveau relationnel, émotionnel, que ce soit avec quelqu'un amoureusement ou que ce soit relationnellement avec quelqu'un qui vous importe quand même. Hein. Ce n'est pas un inconnu, c'est quelqu'un quand même qui touche votre cœur. Donc, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami proche. Dans tous les cas, une décision est prise assez brutalement. Ici, on vous dit que on a une envie de s'éloigner, de partir, de ne plus faire face à un stress, à une angoisse liée à des problèmes qui ont été là sur la semaine précédente. Et donc, vous allez trancher dans le vif, vraiment de façon assez brutale, pour éviter que ces problèmes reviennent à vous, amis poissons. Ici, on voit bien qu'au niveau des énergies, il y a pu y avoir, pour nos amis des signes d'eau, quelques conflits, quelques problématiques sur la semaine dernière. J'espère que vous avez pu les gérer au mieux. De toute façon, on sait très bien que le poisson, ce n'est pas une personne qui aime aller au front et combattre frontalement. Il encaisse beaucoup et après, il prend des décisions qui sont assez radicales. Et pour moi, cette semaine, c'est ce qui risque d'arriver pour nos amis poissons. On continue, mes chers amis, avec les signes d'air pour cette nouvelle semaine et évidemment le signe du Gémeaux. Nos amis Gémeaux pour cette nouvelle semaine et les énergies qui vont l'accompagner. Alors, avec quoi allez-vous travailler, amis Gémeaux? L'arbre et le serpent. Alors, ici, pour les Gémeaux, il peut y avoir la notion d'une difficulté avec une situation qui était stable, qui était grandissante, une difficulté peut-être dans le domaine professionnel ou en relation avec la famille. Peut-être même ici, on parle d'une personne qui vient vers vous, qui fait partie de la famille, et qui est peut-être une personne avec qui vous avez eu précédemment des soucis ou une personne qui n'est pas une personne de confiance, qui peut faire partie de la famille. Donc, probablement des discussions, certainement une notion ici de, peut-être pour certains, de l'administratif. Une question de santé et d'administration, une question de discuter avec cette administration au sujet de problèmes de santé pour les Gémeaux ou par rapport à un problème qui touche la famille au sens large. Ici, on voit bien que notre serpent regarde l'arbre, donc directement la santé ou votre arbre généalogique, je dirais. Donc, c'est possible que ce soit une personne aussi qui soit un petit peu éloignée de votre arbre généalogique, mais qui en fasse partie, avec laquelle vous devez discuter. Donc, ici, on ne nous parle pas vraiment de situation déplaisante dans la discussion. On nous parle qu'il y a un besoin de parler ou avec une administration ou avec une personne un petit peu éloignée de la famille, mais quand même qui en fait partie, peut-être au sujet justement de votre famille ou d'une situation qui peut être un petit peu délicate, difficile, peut-être une situation où on va vous demander de
vous déplacer, de modifier quelque chose, de modifier des paramètres qui touchent le dossier de santé ou de modifier quelque chose en rapport avec votre famille. Ici, on n'a pas beaucoup plus d'indications. Dans tous les cas, il ne semble pas que ce soit quelque chose de très difficile à surmonter pour nos amis Gémeaux, et c'est tant mieux. Alors, pour nos amis du signe de la Balance, l'énergie de cette nouvelle semaine, pour vous, hop, les oiseaux, on va papoter. La Balance et cette nouvelle semaine. L'ours, on va papoter d'argent ou on va parler avec un patron ou une figure d'autorité. Allez les balances, vous avez envie de parler, on vous attend, on vous écoute. Allez. Alors, le fouet et la lune. Bon. Visiblement, une situation qui se répète par rapport à une problématique, par rapport à une tierce personne. Peut-être qu'il y a ici une certaine notion de charnel qu'on aimerait bien assouvir pour nos amis Balance. Quelque chose ou quelqu'un qui peut être loin, à distance de vous. Visiblement, je dirais qu'il y a une notion de rapport d'âge aussi ici. Une différence d'âge entre ces deux personnes. Quelque chose qui peut faire partie du domaine charnel et pour lequel on est un petit peu dans l'expectative par rapport à sans doute un rendez-vous ou une distance qui fait qu'on ne peut pas aller rencontrer cette personne, aller lui parler, aller la voir, peut-être justement aller assouvir cette relation charnelle avec cette personne. C'est un petit peu, je dirais, pas ambigu, mais un petit peu nébuleux tout ça. Il y a des envies, il y a la notion de répétition. Donc, je pense que pour nos amis Balance, il y a une notion de répéter une situation peut-être charnelle qui a du mal à se mettre en place et qui a du mal à aboutir véritablement. Vous avez du mal à concrétiser cette situation. Pour d'autres, ce sera en lien avec une administration, quelques conflits où on peut vous demander d'attendre et de renouveler quelque chose d'ici le mois prochain, puisqu'il y a la notion avec la lune de cycle lunaire, donc quelque chose à refaire encore une fois, peut-être des décisions à prendre justement à ce sujet par rapport à une situation qui touche votre foyer ou qui touche une entreprise. Dans tous les cas, il faut remettre le couvert et continuer à travailler dur pour arriver à terme à la réalisation de ce projet, qu'il soit en lien avec une personne qui est éloignée ou qu'il soit en lien avec le domaine de l'administration pour nos amis Balance. Ensuite, nous passons au signe du Verseau. Les énergies pour le signe du Verseau. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver cette semaine? Ouh, les cartes, elles veulent partir. Est-ce que le Verseau va prendre des vacances? Alors, il y a une transformation pour nos amis Verseau par rapport à une clientèle, par rapport à une situation où on peut se retrouver dans un cercle social relationnel. Dans tous les cas, quelque chose qui se transforme. Peut-être aussi y a-t-il ici la notion d'un homme important qui fait que cette situation en relation avec la clientèle subit quelques transformations. On peut vous parler ici de changement, de modification, peut-être dans la planification d'un rendez-vous, de retrouvailles, de quelque chose en lien avec, je vous l'ai dit, votre clientèle, si vous êtes dans un travail indépendant. On voit bien ici qu'il y a des communications qui sont relancées, qui sont réactivées. Peut-être que vous voulez, suite à une discussion avec un homme important,
de votre vie, qu'il soit votre conjoint, votre compagnon ou peu importe, mais il est important cette semaine. Et visiblement, cette discussion qui va s'organiser entre lui et vous nous parle justement de réouverture de clientèle, de retourner dans un cercle relationnel. En fait, il y a quelque chose qui vous reconnecte avec les autres, en extérieur, avec la notion de multitude de communication ici par rapport à ce retour vers une clientèle ou vers un cercle relationnel. Peut-être que justement, vous n'étiez pas en mesure de prendre du bon temps et de sortir beaucoup, et peut-être que là, justement, vous alliez retourner. Pour certains Verseaux, vous allez pouvoir enfin sortir sur l'extérieur et vous éclater. Et peut-être que pour d'autres, c'est la reprise d'un travail indépendant en relation avec une clientèle suite à une discussion entre un monsieur et une dame, ou deux monsieur ou deux dames. Hein. Oui, je pense que c'est tout ce que je vois pour vous, amis Verseaux. Nos signes de feu avec nos amis Béliers pour les énergies de cette nouvelle semaine. Béliers, on vous écoute. Qu'avez-vous à dire pour nos amis Béliers? Mon cher oracle, quelle est l'énergie du Bélier pour cette nouvelle semaine? Bélier est assez calme hein, cette semaine. Il nous parle de d'éloignement, d'administration, d'élévation, d'établissement de structure. Allez, Bélier. Vous voyez, d'éloignement, de distance. Alors, ici, visiblement, quelque chose nous fait prendre la route au sujet de documents, au sujet d'une formation, au sujet de secrets. Quelque chose qui vous apporte de la nouveauté, un renouveau, peut-être au niveau d'un apprentissage, d'une formation complémentaire. Ici, quand même, on vous parle d'un chemin de croix. Ici, il s'agit de quelque chose pour lequel vous avez vraiment lutté, qui était important. Maintenant, je ne peux pas vous cacher qu'il y a peut-être la notion ici de se déplacer suite à, je dirais, une peine, une douleur, quelque chose qui fait référence en fait à la fin d'une situation pour quelqu'un ou pour quelque chose. Mais il y a quand même davantage la notion avec la tour qui était apparue dans les cartes et le livre d'une situation en relation avec l'administratif, peut-être un rendez-vous qui va vous demander un déplacement. Ça n'exclut pas que cette possibilité de rendez-vous et de déplacement fasse suite à quelque chose de pénible, de difficile et d'un petit peu lourd pour vous. Toujours est-il que vous saurez de quoi il s'agit. Une fois que vous aurez eu connaissance de ce rendez-vous, peut-être que d'ailleurs vous l'avez déjà, cette connaissance du rendez-vous, n'oubliez pas de vous munir de tous les documents nécessaires ici pour que tout se passe bien. Pour nos amis du signe du Lion, auquel je rappelle que vers le 20 juillet, vous aurez la chance d'avoir votre tirage anniversaire avec des prévisions sur 6 mois. Donc, amis Lion, quelle est l'énergie avec laquelle vous allez travailler cette semaine? On y va. Pour nos amis Lion. Alors, nos amis Lion, bien, ils vont recevoir un courrier. Un courrier visiblement qui vous parle de changement, de modification. Et ça touche quoi? Quelque chose qui se répète. Alors, ici, on nous parle de récolte, avec la faux dans ce sens, de récolter ce courrier, mais peut-être que c'est en relation avec un proche ou peut-être que c'est en relation avec quelqu'un qui est dans tous les cas dans votre domaine d'activité ou ça touche un domaine d'activité ici et visiblement ce courrier n'est pas attendu. Il arrive de façon brutale, imprévue. Vous êtes un petit peu, je dirais, sur les fesses quand il arrive parce que vous ne vous attendez pas à cette nouvelle. Toujours est-il que
vu que vous la récoltez, vous la subissez, vous ne pourrez pas changer par rapport aux informations qui sont dans ce courrier, vous ne pourrez pas changer la marche à suivre que vous devez emprunter pour cette semaine. Dans tous les cas, c'est comme ça et c'est pas autrement pour les lions, c'est-à-dire qu'on leur impose quelque chose qui arrive sous forme de notification, de quelque chose plutôt officiel et c'est imprévu pour vous. Allez, nos amis Sagittaires. Quelle est la semaine de nos amis Sagittaires? Alors, tiens, ça c'est beau. Ah, mince, un peu moins. Raté. Là, on vous parlait d'un renouveau, d'une situation qui prenait un élan, qui prenait un essor, qui grandissait, qui était encore petite et qui se retrouve bloquée, retardée, empêchée. Ici, visiblement, quand même, il y a la notion vraiment de ramer pour les Sagittaires. On a l'impression qu'ils étaient lancés, qu'ils étaient partis sur une nouvelle route, un nouveau chemin, quelque chose qui allait leur permettre d'avancer et qui se retrouvent face à un mur. Et on leur dit, ben non, vous attendez le mois prochain, c'est pas encore là, c'est pas encore prêt, vous êtes ici, ok, on l'a vu, mais dans tous les cas, vous n'irez pas plus loin pour l'instant. Donc, ça peut être des blocages au niveau administratif, ça peut être des blocages au niveau relationnel, ça peut être des blocages tout simplement par rapport à une situation que l'on a mis en place et qui aurait dû débuter là, ces jours-ci. Et visiblement, ça demande la révision de quelque chose ou dans tous les cas, on vous met le panneau stop pour cette semaine. Vous allez certainement avoir des informations qui vous permettront peut-être d'avancer, mais pour moi, pas avant le mois prochain, amis Sagittaires. Les signes de terre avec le signe du taureau pour les énergies de la semaine. Signe du taureau. Oups, la cigogne, changement, des modifications, une impatience, un déménagement. Ah, quelque chose qui prend fin. Alors, pour les taureaux, alors, on apprend quelque chose. Ah, d'accord. Ici, pour les taureaux, on discute. On discute de quoi? On discute de documents, on discute de formation, on discute d'apprentissage, de secrets que l'on a découverts ici. Quelque chose qui se répète, quelque chose qui est encore du domaine, je dirais, pour les taureaux, de contrariété possible, avec une décision, un choix à faire, visiblement sur un éloignement ici pour les taureaux. Quelque chose qui vous a mis en difficulté ou qui vous prend la tête, que vous décidez de solutionner par un éloignement, par une séparation. Est-ce qu'il s'agit de remettre à plus tard la notion de document, d'apprentissage, de formation, de quelque chose de secret? Est-ce qu'on discute avec quelqu'un au sujet d'un secret que l'on met en place, quelque chose qui serait de l'ordre de faire des changements, des modifications par rapport à un départ ou par rapport à une grossesse pour certains, ou d'un déplacement, d'un déménagement. Ici, dans tous les cas, il y a une notion de quelque chose qui est gardé secret et dont on discute pour les taureaux. Donc, ici, visiblement, ça vous pose souci quand même. Donc, c'est peut-être par rapport à une tierce personne de votre cercle relationnel ou familial. Vous avez pris une décision par rapport à cette personne ou de vous en séparer ou de vous en éloigner parce que vous trouvez qu'elle sème la zizanie ou qu'elle vous met en difficulté. Et donc, c'est quand même pas une situation que vous allez crier sur les toits,
Mais vous allez prendre, vous, la décision dans votre fort intérieur, et peut-être même avec une autre personne, vu que vous en discutez, de vous éloigner de cette situation ou de cette personne. Pour les vierges, nos signes de la Vierge pour cette nouvelle semaine. Joli, joli. Des contrats, des unions, des associations, des accords, des coups de chance, des opportunités. Pour nos vierges, que se passe-t-il? Ça m'a l'air joli, ça. Alors, pour nos vierges, il y a eu du stress, il y a eu de l'angoisse, il y a eu quelques perturbations. J'arrive même plus à le dire, tellement j'en ai marre de ce tirage de cette semaine qui n'est pas top top. Visiblement, vous avez été perturbé. Peut-être quelques pertes financières qui ont pu se passer. Ici, on vous dit que c'est une situation qui était un petit peu bloquée, un petit peu stagnante, pour laquelle vous vous êtes débattu. Visiblement, ça vous touche directement ici, hein. Donc, ça peut être dans le domaine administratif, en relation avec une structure, en relation avec un établissement, avec une administration, en effet. Peut-être que vous avez été un petit peu, je dirais, chahuté par cette administration qui vous a occasionné des pertes financières, mais dans tous les cas, une certaine angoisse pour cette semaine et la notion vraiment d'en avoir marre, d'être toujours grignoté par ces problématiques qui sont un petit peu récurrentes et qui sont vraiment... elles vous rongent, quoi, avec ces souris. Hein. Vous voyez la route que vous êtes en train d'emprunter. Véritablement, vous occasionne du stress, des angoisses, et ça vous mine le moral petit à petit. Et vous aimeriez aller vers une proposition qui soit plus en adéquation avec ce que vous désirez par rapport à cette situation. Et visiblement, c'est ce que vous allez obtenir. Une offre, une proposition qui vient de la part de cette structure, de cet organisme, de cette administration, pour vous, amis vierges. Donc, on voit bien qu'il y a toujours là, ici, sous-jacent, la notion d'un accord, d'un contrat, d'une opportunité qui fera suite à cette situation un petit peu déplaisante et stressante. Tant mieux. Bien content pour nos amis vierges. Ils méritent, tout le monde mérite, hein, mais eux aussi. Allez, notre Capricorne. Pour cette nouvelle semaine, nos amis Capricorne, pour cette nouvelle semaine, oups là, la croix pour les Capricornes, tiens, une destinée, quelque chose qui est lourd à porter. Allez, Capricorne, les nuages et la maison. Alors, ici, on nous dit que des problématiques que vous avez eues précédemment ont tendance à s'évaporer doucement mais sûrement. On vous dit aussi ici que vous allez récolter quelque chose de l'ordre d'un secret, d'une formation, d'une information, de quelque chose en fait qui peut venir aussi d'une administration ici, donc des documents. Dans tous les cas, il y a la sensation d'avoir un petit peu plus de légèreté pour cette semaine au sein de votre foyer. Ici, on voit bien qu'il y a des changements, des modifications, des choses qui se mettent en place suite à ces problématiques que vous avez eues. Visiblement, ça peut concerner vraiment, vraiment cette administration, hein. Et moi, je dirais que les documents que vous allez récolter suite aux problématiques précédentes vont être de nature un petit peu à vous alléger au niveau ressenti par rapport à ces difficultés en lien avec cette structure, cette administration. Dans tous les cas, ici, on vous dit que des nouveaux documents vont arriver vers vous et vous allez devoir les traiter pour cette nouvelle semaine. Eh bien voilà, mes amis, on a clôturé la semaine et je vous dis à très vite pour le cinquième chapitre de la formation avec l'oracle du Petit Lenormand.